Rien, je vais faire moi, j'ai rien, même pas je peur. Me balade. Alors c'est pas normal. Tu me détestes? Tu me détestes ou pas? Je démarre le camion, je m'en vais. Il s'est passé Je te quoi? déteste. T'as pas vu? T'as pas vu ma POV? Sur mon... La séquence que tu viens de voir s'est passée sur Twitch. Alors si t'as envie de nous rejoindre, bah n'hésite pas. En plus de ça, il y a un planning qui est mis en place toutes les semaines. Et en plus, on est en live tous les jours, sauf le dimanche. Parce qu'après, faut pas déconner, faut quand même dormir. Attendez. Non, vous êtes tout bien. Bon, je touche pas. Vous avez, nickel. Ok, c'est bon, Elodia. J'ai trop peur. Ouh. Ah oui, faut pas faire ça avec les trucs, hein. Échappez-vous du cachot. Ah là! J'examine. Qu'est-ce que c'est? Un morceau de papier. Voir l'objet. Allez, je veux voir. Qu'est-ce que c'est? J'ai fait triangle. Hein. Un morceau de papier. Un vieux morceau de papier trouvé dans le mur. Quelqu'un a laissé un message. C'est écrit quoi? À quiconque tente de s'échapper d'ici, j'espère que ce message vous sera utile. Vous ne me connaissez pas, mais vous devrez me faire confiance si vous voulez survivre. D'abord, il vous faut sortir de cette cellule. Regardez autour de vous, mettez-vous à quatre pattes s'il le faut. Ensuite, cherchez l'objet dont vous aurez besoin pour vous échapper. Il est caché là où l'on s'y attend le moins. Plongez dans le sang. Une fois sorti du cachot, vous devriez vous retrouver dans une salle. La porte ne vous conduira pas au salut, mais la lumière vous mettra sur la bonne voie. Si vous êtes dans une impasse, ne baissez pas les bras. Il y a forcément un moyen de progresser caché quelque part. Lorsque vous aurez trouvé l'échelle, il vous faudra l'emprunter. Mais attention, ne les laissez surtout pas vous voir. Oh non, j'ai peur. J'ai l'intention de m'échapper ce soir et je prie pour que vous vous en sortiez aussi. Donc d'abord, il vous sort de cette cellule. Là, là, là. Alors à quatre pas, ensuite cherchez l'objet dont vous aurez besoin pour vous échapper. Il est caché là, en luçon. Ok. Comment on se met à quatre pattes là-dedans? Ok. Oh non, j'ai peur. Oh, moi, j'ai peur. Moi, les trucs comme ça, ça me fait peur. J'ai trop peur! Ouh yaya! Ah, les asticotes! D'accord. Bon, allez hop. Donc là, c'est pas du sang là. J'ai peur. Ah, l'ambiance est bonne, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. L'ambiance, elle est superbe. Hein. Ça fait peur comme jamais, hein, je vous le dis. Médicaments pour maintenir le bétail en vie. Oh la vache. Je sais pas si vous avez le son comme il faut, mais... Ouais, je vous fais rire. Mais ouais, mais je sais, mais... Ouh. D'accord. Les sons, ils sont horribles. Arrêtez! Oh madame, vous allez bien? Madame? Elle est morte. Je crois qu'on est sur un décès. Par contre, aide-moi frère. Ah bah là, je crois que c'est foutu. Hein. D'accord. J'ai super peur. Faut que je vous le dise. J'ai vraiment genre très très peur. Il a dit qu'il fallait pas avoir peur de d'aller dans le sang. Hein. Oh là là, et ça se passe pas bien ici. Hein. Ouh là 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 là. Examinez. Morceau de papier, vieux morceau de papier, blablabla. Ah d'accord, ok, il faut que j'utilise un item dessus, donc une clé en l'occurrence. J'ai peur. Vraiment en plus, hein. Je vous dis, c'est pas du pipeau, hein. J'angoisse vraiment. Donc là, il faut trouver une clé. Mais il a dit qu'il fallait pas avoir peur de plonger la main dans le sang. Ah! Hein? Mais... Mais quoi? Elle était pas comme ça, ma vie! Elle était pas comme ça? Attendez, elle était pas comme ça tout à l'heure, mamie? Mamie?
Si je puis me permettre, vous n'étiez pas dans cet état-là. Ah, je pense que c'est la même mamie ici. D'accord. Le sang. Ah, arrêtez! Pourquoi il tourne vers moi? Arrêtez! Monsieur, vous me faites peur. Il va tomber. Ah. D'accord. Ils m'ont pas fait venir ici pour rien, c'est pas possible. Il faut que... Je dois lui mettre des coups au pendu ou... Dans le sang. C'est pas possible. Bon, peut-être qu'ici, il n'y a rien. Mais... Il y avait une autre zone tout à l'heure fermée, je crois. Ah! Ah oui, non, mais là... Pardon. Excusez-moi, c'est la peur qui prend le dessus parfois. Faut pas avoir peur de mettre la main dans le sang. Ah, quille. Non, un crochet. Pas du tout. Oh mais là, il va m'arriver un autre truc. Arrêtez! Ah! Ouh là 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 là, le crochet. Et alors? Vite! Oh, j'ai trop peur! Oh, je peux courir? J'ai peur! Oh non, mais comment je vais jouer à Resident Evil 7 Village? C'est pas possible, hein! On subit, hein! J'en ai marre, hein. J'en ai marre des jeux où on subit, hein. Ta gueule. Ah, merci Mimuiz pour ton prime. Comment tu vas? Ça va bien. J'ai peur, par contre. Il y a un bruit bizarre. Attends. Viens aller, là. Pourquoi? Oh non, mais moi je... C'est le problème dans ces jeux-là, c'est que je me tétanise vite. Et je vois rien par contre, hein. Ah! Ah là là! Non, non! Ils vont tricher! Ils vont mettre un truc, je regarde pas. J'ai moins peur de face, moi, limite. Hein. Je sais que ça peut paraître... La lumière. C'était mon premier jour de travail au château, le 9 juin 1958. J'étais très étonnée de constater qu'il n'était habité que par des femmes. La maîtresse et ses filles ont insisté sur le fait qu'elles ne mordaient pas. C'était pour le moins étrange. 23 juin. Oh, le lendemain de mon anniversaire. Je triche pas. Cela fait... Mais vous savez que quand je dis je regarde pas, là j'ai le retour écran. Donc en fait sur cette caméra-là, enfin sur cet écran-là, je vois ce qui se passe. Mais en plus petit. De moitié de taille, quoi. Alors, cela fait 2 semaines que j'ai commencé à travailler au château, et j'ai un peu peur. Une autre servante, Adela, a commis un impair, et mademoiselle Daniela lui a tailladé le visage avec un couteau. Et la nuit, j'entends des gémissements, comme si des fantômes erraient dans les couloirs. Je veux rentrer chez moi. 8 juillet 1958, je ne sais pas quoi faire, les jeunes demoiselles se plaignaient qu'il faisait une chaleur étouffante pendant le dîner. Alors, j'ai entrouvert la fenêtre. « Ferme la fenêtre! Ferme-la immédiatement !» m'ont-elle crié à l'unisson. « J'ai peur d'être amenée au sous-sol et que l'on ne me revoie plus jamais. » Je ne sais pas quoi faire.
J'ai peur. Il y a un bruit dégueulasse. Arrêtez! C'est trop long! J'ai trop peur. Allez, on assume, Kiki, t'es pas peur. Allez, on n'a pas peur. Allez. Qui allait? Oh là là, c'est très joli, hein. Attendez, triangle, elle avait dit quelque chose. Elle avait dit quelque chose par rapport à ça. On y va, on lit. Non. Non, je suis en train de paniquer. Examiner. Ensuite, voilà. Voilà, j'ai l'intention de... Voilà, ok. Une fois sorti du cachot, vous devrez retrouver une salle. La porte ne vous conduira pas au salut, mais la lumière vous mettra sur la bonne voie. Si vous êtes dans une impasse, ne baissez pas les bras, il y a forcément un moyen de progresser caché quelque part. Lorsque vous aurez trouvé l'échelle, il vous faudra l'emprunter. Mais attention, ne laissez surtout pas vous avoir. La lumière. La lumière. Il y a de la lumière partout. Okay. Ouah, la caméra elle s'est tournée net, j'ai eu trop peur. Bou bou bou. Bah non, je pense pas. Oh là là, oh là là. Il y a du sang partout. Alors, par contre, ça me mène pas à la lumière, ça. Elle va mal finir cette histoire, on est d'accord. Là, il nous faut une clé. Le coupe-boulon ne servira à rien, n'est-ce pas? Bon. Eh ben on va tout fouiller parce que là il y a rien. Moi j'aime pas quand il y a des bruits comme ça, ça. Ah 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 ah. Qu'est-ce que c'est? Un verre. Une bague avec un œil éclaté. À quoi ça peut me servir? Une bague, c'est... Attendez, on va l'examiner. Des fois dans Resident Evil, il y a des trucs hein. Œil écarlate, j'ai dit œil éclaté. Écarlate. Œil éclaté. À quoi ça va servir? Œil éclaté. Ça me bute. Œil éclaté. On est d'accord, ça ne sert à rien, ça. Il écrit quoi? Une pierre qui ressemble à un œil injecté de sang. Une pierre qui ressemble à un œil injecté de sang. Y'a quelqu'un? Putain, y'a quelqu'un. J'ai très peur. Oh, comment je suis pas bien.
Ces vêtements sont similaires à ceux que je porte. Oh là là. Comment ça suivre la lumière? Attends, je sais pas vu. Insérer sûrement. Vous avez une idée? Faut la mettre où? Vous savez, moi je panique vite, hein. La lumière. Donc là, suivre la lumière. Problème. J'ai pas tout fait à l'étage, tu crois? On y retourne, hein, mais. Je suis terrifiée. Là. Là. C'est ça. La Bible. Les techniques de vinification du château. Alcina Dimitrescu utilise un procédé traditionnel bien que particulier pour enrichir l'intensité du saveur du vin. Oh non, ne dis pas que c'est du sang. Son merveilleux sanguis virginique signifie sang de vierge. Oh putain. Il est conservé dans quoi? Une bouteille spéciale décorée de fleurs argentées. Bouteille décorée de fleurs argentées. Une bouteille décorée de fleurs argentées, c'est peut-être ça. Oh, la clé de la cour. Oh, la clé de la cour. Pourquoi à un moment je sens qu'on va tomber sur un cadavre, je vais hurler. Comme Jaja. Criez, hein, si vous voyez là. La bouteille. De fleurs argentées. On l'a peut-être vu, hein. Oh là 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 là. Je vais sortir, il va arriver une dinguerie. J'ai peur. I'm watching you. Je te regarde. Je m'en fous. Moi, je te regarde pas. I won't last until dinner. Je crois que je suis morte, hein.